Suite à la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge, la SNCF et Réseau Ferré de France ont entrepris la vérification sur l'ensemble du territoire de toutes les éclisses. Les éclisses sont ces pièces de jonction entre les rails et les aiguillages mises en cause dans l'accident. Dans le Nord-Pas-de-Calais, une quarantaine d'agents ont été mobilisés. On a engagé depuis hier matin une opération de vérification sur l'ensemble des appareils de voies similaires à celui de Brétigny. Donc sur les 311 appareils que contiennent le Nord-Pas-de-Calais. Et on fait une vérification concrète de tous les assemblages, comme vous avez pu voir tout à l'heure, des choses qui pourraient éventuellement, mais je dis bien qui pourraient, comme vous avez pu voir, on n'a rien vu d'anormal, qui pourraient être éventuellement défaillants. L'opération se terminait à Lille-Flandre, où les équipements sont particulièrement sollicités. Plus de 800 trains sont accueillis quotidiennement. Et à ce jour, aucune anomalie n'a été constatée.